Mais écoutez, mademoiselle Ilguegueux, c'est super! Mars vous insuffle une énergie débordante. Les perspectives de carrière sont toujours aussi positives pour les natifs concernés. Ce devrait être une semaine stimulante au cours de laquelle vous recevrez une visite imprévue et extrêmement plaisante. Écoutez, ma petite Catherine, je n'ai pas encore eu le temps d'étudier les horoscopes terriens, mais je ne suis pas très sûre qu'ils soient vraiment au point. Oh, mais si, si, ça marche très, très bien. Oh là là, une visite imprévue. Qu'est-ce que c'est génial! Je me demande qui ce sera. Si c'est un producteur. Qu'est-ce que je vais pouvoir me mettre si c'est un producteur? Eh bien, quelque chose qui mette plus en valeur votre voix et un peu moins votre viande. Ah bon, vous croyez? Mais bien sûr, Catherine. Sinon, il va tellement regarder votre viande et ne plus écouter votre voix. Oh! Voilà Monsieur Framboisier. Bon, alors je vous laisse. Je passerai par la porte derrière. D'accord. Bonjour, mademoiselle Catherine. Puis-je avoir un café, s'il vous plaît? Bien sûr, tout de suite, monsieur Framboisier. Ah non, on avait dit plus de monsieur Framboisier, tout court. Oh, excusez-moi, monsieur Framboisier, mais c'est l'habitude. Et puis, vous comprenez, tous les clients, je les appelle monsieur. Ah, parce que vous me comparez à tous vos clients? Alors là, mademoiselle Catherine, vous me faites beaucoup de peine. Oh non, je ne voulais pas vous faire de la peine. Et vous et les autres musclés, je vous trouve tellement gentil. Moi et les autres musclés, moi et les autres musclés. Sachez, mademoiselle Catherine, qu'il y a les autres musclés et qu'il y a moi, Framboisier, votre ami, votre fervent admirateur, votre soupirant. Dites, vous savez que vous êtes drôlement appétissante aujourd'hui. Quelle mine! Quels yeux pétillants! Ça, c'est normal. J'ai toujours les yeux qui brillent quand je suis heureuse. Et puis aujourd'hui, je suis drôlement heureuse. Parce que j'attends une visite très, très spéciale. Ah bon? De qui? Ah, ça, je ne sais pas encore, mais je sais que ça va être génial. Bah, comment pouvez-vous savoir que ça va être génial si vous ne savez pas qui va vous rendre visite? Parce que c'est écrit dans mon horoscope. Regardez. Vous recevrez une visite imprévue et extrêmement plaisante, vous voyez? Je me demande qui ce sera. Ne cherchez pas plus loin, mademoiselle Catherine, c'est moi. Vous? Oui. Réfléchissez. D'abord, je suis venu à l'improviste. À l'improviste? Vous venez tous les jours, hein? C'est bien ce que je dis. Je viens tous les jours, mais à l'improviste. Et puis, ma visite vous est extrêmement plaisante, non? Croyez-en un spécialiste, mademoiselle Catherine. Les prédictions astrologiques n'ont aucun secret pour moi. C'est vrai? Vous êtes un spécialiste de l'astrologie, monsieur Framboisier? Mais vous ne m'aviez jamais dit ça. Si je vous disais tout. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô? Allô? C'est toi, Betty? Oh, mais où es-tu? J'entends très mal. Au Canada? Mais qu'est-ce que tu fais au Canada? Je te croyais à Clermont-Ferrand. C'est Betty. Qui? Betty. Oui? Oui? Ah, oh, c'est formidable. Quand? Oh là là, qu'est-ce que je suis contente. Attends. Oui? Oui? Au revoir, ma petite Betty. Ah, c'était Betty. Mais qui est Betty? Mais c'est ma cousine. Elle est super. Et si drôle, si vous saviez. Elle vient de m'appeler pour me dire qu'elle arrive demain du Canada. Faut dire, Betty, elle a tout le temps la bougeotte. Mais au fait, j'y pense. Les astres. Ben quoi, les astres? Ben oui, ils avaient raison. Oh, c'est extraordinaire. C'est de Betty qu'il parlait, la visite imprévue, tout ça. C'était ma cousine. Ah bon, vous croyez? Eh oh, Framboisier, vous essayez de vous payer ma tête, hein? Vous n'avez aucune connaissance en astrologie, vous. Comment ça? Mais si, mais si. Et en tant que spécialiste, je peux vous dire qu'il est fort possible que la visite de votre cousine soit effectivement la visite surprise. Mais on n'est sûr de rien. Ah, ça peut être... Ah, je sais! Un producteur de disques, c'est ça?
Qu'y a-t-il? Betty, elle arrive demain à 14h. Et je vais pas pouvoir quitter la cafétéria pour aller la chercher. Ah, ça, c'est vraiment embêtant. Mais dites-moi, mademoiselle Catherine, votre cousine, comment est-elle? Elle vous ressemble? Ah ça oui, on a comme qui dirait un drôle d'air de famille. En plus, on fait exactement la même taille en vêtements. Non, pareil, pareil. Oui, en plus, Betty, c'est une artiste aussi. Ah, elle chante? Oh non, non, elle, elle fait dans la publicité. Ah! Elle est comédienne, quoi. Mmh. Ah, qu'est-ce qu'elle est mignonne! Vous pouvez pas vous imaginer. Ah ben ça, si elle vous ressemble, je n'en doute pas une seconde. Peut-être que je pourrais éventuellement aller la chercher à votre place, si vous voulez. Vous feriez ça, Framboisier? Vraiment, vraiment? Que ne ferais-je pas pour vous, mademoiselle Catherine? Oh, vous êtes un amour! Mmh. Ah, je vais vous écrire tout de suite l'heure de son arrivée et son nom. Vous n'auriez pas une photo? Ah ben non, j'en ai une à la maison. Mais vous savez, je suis tellement fouillie-fouillie que je mettrai au moins 3-4 heures pour la retrouver. Ah, mais vous n'aurez aucun problème, vous la reconnaîtrez en une seconde. C'est simple, c'est exactement la même que moi, en blonde. Ça, si vous le dites, je n'ai pas besoin de photo, alors. Faites attention de bien plier droit, hein. Sinon ça prend des mauvais plis. C'est Valériane qui t'a appris ça? Bien sûr. Vous le savez peut-être pas, mais Valériane, elle a des mains de fée, hein. C'est une maîtresse de maison extraordinaire. Oh bah oui, et ça on peut dire qu'elle a un coup de main. Ah. Les complots, j'ai une grande surprise. Ah, tu viens nous aider à faire le ménage. Et il était temps, hein, parce qu'on était au bord du conflit social. Mais non, la grande surprise s'appelle Betty. C'est la cousine de mademoiselle Catherine. La même en blonde, si vous voyez ce que je veux dire. Eh, tu l'as rencontrée à la station-service? Il en existe vraiment deux comme ça, et moi je veux voir ça tout de suite. Excusez-moi, j'ai une course à faire. Eh, doucement, mon Minet, doucement. Ne sois pas impatient. Elle n'arrive que demain, elle arrive du Canada. Et c'est moi que mademoiselle Catherine a chargé d'aller la chercher. Ouais, encore toi, toujours toi, quoi, hein. Moi, tu sais, il y a des fois où vraiment j'en ai marre. Mon petit René, c'est ça le talent. Il faut savoir être au bon moment, au bon endroit. Mais on peut peut-être t'accompagner, nous. Ce sera quand même plus sympa pour elle si nous sommes plusieurs à l'accueillir, non? Bah oui, c'est une question de chaleur humaine. Tu comprends, Framboisier? Ah non. Alors là, pas du tout, les copains. Lorsqu'on me charge d'une mission délicate, je prends mes responsabilités seul, moi. Égoïste. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, vous la verrez, puisqu'elle vient en vacances chez mademoiselle Catherine. Ouais, enfin, bon, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on peut toujours compter sur toi pour avoir un train de retard, hein. Ah non, mon petit Rémi, non. Pas un train cette fois-ci, mais un avion. Ah, ça, c'est Eric qui a dû oublier ses clés. Attends, j'y vais. Mademoiselle Catherine. Oh. Quelle bonne surprise. Ah ben, justement, on parlait de vous. Ne cherchez plus, je suis là. Quel bon vent vous amène? Ben, justement, j'ai un ennui. C'est pour ma cousine. Non, ne me dites pas qu'elle vient plus. Mais si, justement, elle vient. Mais j'ai une inondation à la maison. Je ne vais pas pouvoir la loger. Oh. Voilà. Alors, je voulais savoir si... Si... Bon, je me lance. Vous n'auriez pas une chambre d'amis? Vous ne pourriez pas héberger Betty pour quelques jours? Betty? Chez nous? Ben oui, Betty déteste les hôtels et puis, vous savez, elle a pas trop de sous. Alors moi, je suis vraiment bien embêtée, quoi. Mais, mademoiselle Catherine, il n'y a aucun problème, évidemment. Vous ne pensez quand même pas qu'on va laisser votre cousine Betty aller à l'hôtel? Enfin, voyons! Ça, c'est certain, il n'en est pas question. Ah ça oui, pas une seconde. Notre home sera celui de votre cousine dès l'instant où son pied, son joli pied, foulera le sol de France. En résumé, bienvenue à la cousine Betty. Ouais. Ah, vous êtes vraiment des amours. Vous allez l'adorer, vous allez voir, Betty est un vrai petit bout en train. Vous ne le regretterez pas, vous allez l'adorer.
faudrait que la cousine de Catherine vienne plus souvent. Je n'ai jamais vu l'appartement aussi bien rangé. Ah, ah bon? Et pourquoi vous dites ça? Comme ça. C'est juste un hasard, hein? Bon, vous êtes sûr qu'il ne faut pas repasser l'aspirateur, là? On dirait qu'il reste un peu de poussière, hein? Chut, dites-le, les copains, vous ne pourriez pas faire un peu moins de bruit? Oui, ça risque de faire tourner ma mayonnaise. C'est vrai que vous avez l'air tout à fait normal. Ah, à propos, les gueux, est-ce que je pourrais vous demander un petit service? Ça dépend lequel. Eh ben, vous connaissez Framboisier, et vous savez qu'il va se jeter sur la cousine Betty, comme d'habitude, sans nous laisser le temps de respirer. Oui, déjà qu'il va avoir de l'avance, hein, et avec sa technique, on ne va avoir aucune chance une fois de plus. Alors, si vous pouviez, enfin, vous comprenez? Vous savez qu'en principe, je ne me mêle jamais de vos affaires. Enfin, là, c'est exceptionnel, voilà. Écoutez, les musclés, je n'interviendrai qu'en toute dernière extrémité, d'accord? D'accord. Bon, eh bien, c'est super. De toute façon, je dois monter, préparer mon rapport pour Vega. À tout à l'heure. D'accord. Oh, mais tu es tout seul? Mais, et la cousine Betty? Écoutez, j'y comprends rien du tout. Du tout, du tout. J'ai attendu 2 heures à l'aéroport. J'ai vu sortir tous les passagers, du premier au dernier, et pas de Betty. Mais tu l'as peut-être pas reconnu. Écoute, René, je sais reconnaître une belle fille à des kilomètres. Je n'ai pas besoin de lunettes, je m'appelle pas Papy René. Allez, et qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein, l'autre fois, quand il y avait la manif à la Bastille et que j'ai perdu mes lunettes, je vous ai quand même ramené 3 superbes créatures, hein? Ça, c'était surtout parce que les forces de l'ordre les avaient forcées à se réfugier dans ta voiture. Excuse-moi, René. Alors là, la mauvaise foi, c'est effarant. Là, c'est... Bon, arrêtez, tous les deux. Ça ne résout pas notre problème. Où est Betty? Elle a peut-être pris un autre avion. Mais impossible! J'ai attendu le deuxième et même le troisième. Oh là là! Ça, c'est Mademoiselle Catherine, mais qu'est-ce que je vais lui dire? C'est bien ici, chez les musclés? Oui, oui, oui. Bon, bah alors aidez-moi, vous allez pas me laisser prendre racine sur le pas de la porte, là. Excusez-moi. On peut savoir lequel d'entre vous c'est, Framboisier? C'est moi. Et vous, vous êtes ma demoiselle? Bah, Betty, la cousine de Cathy, tiens. Betty? Bah oui, Betty. Pas la Vénus de Milo. Bon, en attendant, vous, le framboisier, je vous retiens. Oui. 2 heures que j'ai poireauté à la cafette de l'aéroport. 2 heures à me dandiner sur leur chaise en plastoc que j'en attrapais des ampoules au derrière. Ah, ça, c'est tout Cathy, hein? De me parler de mecs adorables et serviables qui n'existent que dans son imagination. Moi, les copains, je ne pouvais pas savoir que c'était ça. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Si, bien sûr, bienvenue chez les musclés. Ah, enfin, une parole gentille. Bon, vous, le petit, vous vous occupez de mes bagages. Ah, puis alors, vous deux, vous me massez les pieds parce qu'ils ont enflé avec l'avion. Et vous? Moi, je vais ouvrir la porte. Betty, ma petite merveille! Cathy, ma grosse louloute! Ça nous a requinqué, cette petite bouffe, hein, ma grosse? Et d'ailleurs, j'y pense. Les musclés? C'est pas parce qu'on a le ventre plein qu'il faudrait oublier mes grosses valises et mes petits pieds. C'était vraiment délicieux. Qu'est-ce qu'ils sont gentils de se donner autant de mal pour nous. Eddie, si on allait leur donner un petit coup de main pour débarrasser. Ça va pas, non? Moi, le voyage, ça m'a lessivé. D'ailleurs, j'y pense. Vous, oui, sur lunettes, là. C'est comment votre petit nom, déjà? René, madame. Bon, alors René, il y a des draps propres dans ma valise bleue. C'est pour mon lit, ok? Mais on en a les draps propres, nous, ici. Vous croyez tout de même pas que j'oserais utiliser les draps des gens chez qui j'habite? J'ai de l'éducation, moi. Ne ralentissez pas les pieds. Mais parce que c'est moi qui dois faire votre lit? Bah forcément. J'ai un principe, je ne touche jamais aux choses qui ne m'appartiennent pas. Elle est drôlement bien élevée, ma cousine Betty, n'est-ce pas, les musclés? Oh ouais, ouais, on peut appeler ça comme ça, ouais.
Alors, tu vois comme ça, ma grosse, le framboisier, il a prétendu qu'il m'avait attendu plus de 2 heures à l'aéroport. Tu te rends compte? Ah, mais je ne comprends pas. Je t'avais pourtant bien décrite. Il aurait dû te reconnaître. Ben justement, à mon avis, il a eu la flemme de venir. Et toute son histoire, c'est des bobards, croisant mon expérience. Oh, tu crois? Oh là là, le jour où tu croiras pas un homme sur parole, toi. Pour te faire respecter des garçons, il faut les dresser. Je te l'ai toujours dit. Alors, framboisier, il vient, ce chocolat? Tout de suite, les filles, je finis la vaisselle et j'arrive. Quand même. Déjà? Ah bah, j'ose pas imaginer l'allure qu'il doit avoir mon lit. Les orteils, du haut vers le bas. Oh, qu'est-ce que vous êtes gentil. Merci, framboisier. Moi. Qu'est-ce que vous êtes gentil. C'est bien parce que c'est vous, mademoiselle Catherine. Je ne ferai pas ça tous les jours. Voyez, j'en veux plus. Dis donc, finalement, il n'est pas si mal que ça, ce garçon. S'il me faisait un brin de cour, je ne serais pas contre. Bon, et eh ben si vous alliez faire un gros dodo, les musclés. Hein? Un gros dodo? Mais oui, il se fait tard et on a des tas de choses à se dire, ma cousine et moi, entre femmes. Mais c'est que je n'ai pas dîné, moi. Mais c'est que moi non plus. Mais faut tout leur apprendre à eux. Le jeûne, un soir par semaine, ça fait un bien monstre à la santé. Quelle fin. Si je ne mange pas dans la seconde, je vais tomber d'inanition. Oh là là, les copains, regardez. Oh, et où est notre table? Bah, et nos chaises? Oh, la table, celle-là, j'ai mise au grenier, elle est d'une laideur. Moi, voir des choses comme ça dès le matin, ça me déprime. Je croyais que vous aviez dit que vous touchiez jamais aux affaires des gens qui vous hébergeaient. Ben, ça, c'est vrai, vous l'avez dit hier, j'ai entendu. Mais ça n'est pas des circonstances. Je suis une philanthrope, moi. Alors, quand je vois des garçons qui ont un tel mauvais goût, ben, je les aide. Bon, je vais prendre ma douche. Ah, pour mon petit-déj, cornflakes, faux bacon et café, ça suffira. Voilà. Qui vient me frotter le dos? Fausse joie, c'était une blague. Bien de moi un moment, hein? À tout à l'heure! À tout à l'heure, mademoiselle! Tout donne, les copains, c'est un véritable boulet, la cousine! Mais qu'est-ce qui vous a pris de la mener ici? Mais c'est mademoiselle Catherine qui nous a demandé de lui rendre service, Eric, il faut comprendre. Et refuser quelque chose à mademoiselle Catherine, c'est très difficile, tu la vois. Et d'autant plus que mademoiselle Catherine m'avait affirmé qu'elle et sa cousine se ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Ouais. Je voulais dire une goutte d'eau et une grosse goutte d'eau. Je t'en prie, reste correct. Oh, ouais, tu as raison, Eric. Excuse-moi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, les musclés? Vous en faites une tête? Oh là 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 là. Vous ne pouvez pas savoir. Non? Vous ne pouvez pas savoir. C'est pas une femme. C'est une catastrophe. De qui vous parlez? Mais de Betty, la cousine de mademoiselle Catherine. Oh, je me demande comment la nature peut faire des erreurs pareilles. Ah bon? À ce point? Ça oui, en plus, on ne sait même pas combien de temps elle va rester ici, la cousine. Et surtout, les copains, qu'aucun de nous n'essaie de lui plaire, ok? Parce que, parti comme c'est parti, d'ici à ce qu'elle s'installe... Oh non, non, non! Ne me dites pas que le Cerbère en jupon est déjà de retour! Je n'ai pas fini de manger, moi! Allez. Non, t'as raison. Les musclés! Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? J'appelle Bernard ce matin et une voix de femme me répond pour me dire qu'il n'y a pas de Bernard ici.
Et cette voix de femme n'était pas la vôtre, il gueugue. Bah oui, mais peut-être que... Parce que peut-être que c'était la cousine Betty. Oui. La cousine Betty. Je ne savais pas que vous aviez une cousine, mon cher Rémi. Bah, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la cousine de Rémi. C'est celle de Mademoiselle Catherine, vous savez, là. Oui, la jeune fille de la station-service. Oui. Ah, la cousine de cette gourgandine, là. Eh bien, j'espère qu'elle a meilleur genre qu'elle. Bernard, comment est cette fille? Eh bien, Valérie, chérie, elle... Mais vous avez redécoré votre appartement? Non, pas vraiment, non. On sait, c'est pas une réussite, mais on y est pour rien. Hein. Pas une réussite, mais c'est somptueux, au contraire. Excusez-moi, mais je dois aller à la faculté pour ma leçon de sémantique. À ce soir, hein? Oui, c'est ça, il gueule ce soir. Oh non, mais je vous assure, cette nouvelle décoration est absolument sublime. Oh, bah enfin, quelqu'un qui connaît quelque chose. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous êtes la décoratrice? Ah non, pas du tout. Je suis Betty, la cousine de Cathy. C'est elle, Valérie chérie. C'est elle. Ah, c'est vous! Oh, et bien, vous avez meilleur genre que votre cousine. Et donc, vous restez ici pour... quelque temps, pour... Nous n'hébergeons Mademoiselle Betty que pour quelques jours. Enfin, disons que je suis obligée de cohabiter quelques jours avec les musclés, et je dis bien obligée, parce que bonjour la galère. Comme je le comprends. Je les pratique moi-même depuis quelques années, et c'est d'un éprouvant. Ça, c'est la meilleure de l'année. Je me présente, Valériane de la Motte Piquet, du Pré aux Moules, et je suis la fiancée de Bernard Minet. Du petit, là? Eh ben, dis donc, mon pote, on a de la chance d'avoir une fiancée aussi classe. Oh, mais cette petite est vraiment charmante, n'est-ce pas, Bernard? Bien sûr, Valérie chérie, bien sûr. Mais qu'est-ce que je vois? Vous êtes encore en pyjama? Mais allez, on file dardard, on va faire sa petite toilette et on va se changer. Oh, Eddie, Théo, ça commence à bien faire, hein? On est chez nous, ici. Et chez nous, on fait ce qu'on veut, et quand on veut. Bien dit. Et les lois de l'hospitalité? Faut que je vous les rappelle, les lois de l'hospitalité? Mademoiselle a raison, Framboisier. Lorsqu'on reçoit quelqu'un, un minimum de respect s'impose, enfin. Bernard! Je vous ordonne d'aller vous préparer tout de suite! Tout de suite, Valérie chérie, tout de suite! Bravo. Vous l'avez bien dressé, celui-là. Pas mal, en effet. Faut dire qu'avec les autres, il y a beaucoup plus de boulot. Bon. Eh bien, Eric. De toute façon, tu sais, il n'y en a plus pour longtemps, tu verras. Oui, tu as raison, Eric. Prenons-la pour madame Patience. Assumons, mon vieux. Assumons, au moins pour mademoiselle Catherine. Ah, ces hommes, de vrais gamins. Ah, qui le dites-vous? Ah, venez, ma chère. Bonjour, mademoiselle Catherine, ça va? Bonjour, les musclés. Alors? Comment ça se passe avec ma cousine Betty? Très bien. Oui, elle est charmante. Et alors, tellement dynamique. Elle a un charme très spécial. Et en plus, elle s'entend très bien avec Valéria. Oh, j'espère que ça ne vous ennuie pas trop de l'héberger. Mais vous comprenez, moi, je ne peux rien faire tant que j'aurai mon problème de plomberie à la maison. Mais dès qu'ils auront trouvé les causes de l'inondation, je récupère Betty, bien sûr. Bien sûr, mais au fait, votre inondation, elle en est où? Ah, l'inondation, ben... Justement, le plombier m'a dit que le travail allait durer un petit peu plus de temps que prévu, c'est-à-dire 2 ou 3 semaines, et que si ça continuait comme ça, il serait obligé d'amener son lit de camp. Ah, bah alors... Ils ont drôlement d'humour, les plombiers, cette année. Hein, les copains? Il vous fait marcher. Ah bon, vous trouvez? Hé, hey, les copains, j'ai une idée. Ah oui, laquelle? Eh, hey, si on s'y mettait tous, elle serait peut-être réparée pour ce soir, la plomberie de mademoiselle Catherine. Mais... Hey, ouais, 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 allez, 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 all